Hamza. Ils ont tué Hamza. Regardez, les Nekois se retirent. Mais qu'est-ce que vous faites? Combattez! Combattez! Arrêtez! Retournez au combat! Ils rompent les rangs! Nous devons battre en retraite! Non, pas encore! Regarde! Où vas-tu? Aidez les autres! Non! Le prophète nous a demandé de rester ici! Mais il s'enfuit! La bataille est finie! Arrêtez! Arrêtez! Maintenant! Ne meurs pas, ô messager de Dieu. Entourez-le, conduisez-le à la colline, reculez. Ça a mal tourné. Est-il vrai que Mohammed est mort? Je l'ai vu tomber sous mes yeux. Écoutez-moi, aujourd'hui nous tenons notre revanche. Aujourd'hui nos dieux ont triomphé. Nos morts sont au paradis et les vents flottissent en enfer. Vous pouvez croire ce que vous voulez, du moment que Mohammed est mort. Mohammed est vivant! Alors dites-lui ceci. Pour chaque homme que nous avons perdu aujourd'hui, nous en avons tué 4 des vôtres. Mohammed est vivant? Enfin, la Mecque a eu sa revanche. Finis tes sacrifices et viens, Abou Soufiane. C'est grâce à toi que nous avons remporté cette victoire. Mohammed est vivant. Et alors, nous avons tué Hamza et 70 autres. Viens, viens faire la fête avec nous. Comment osez-vous accepter la gloire quand ces mots sont toujours prononcés? Mohammed est vivant. C'est décidé. Ce n'est plus une bataille entre les musulmans et la Mecque toute seule. Non. Tous les chefs de tribu jurent de ne pas connaître de répit avant que tous les Arabes ne se lèvent contre Mohammed. Jusqu'au jour où les mots « Mohammed est vivant » deviendront « Mohammed n'est plus ». L'islam est fini. Personne ne restera vivant. Je donnerai tout ce que j'ai pour que Mohammed soit mort. Mon Dieu, 10 000! Nous avons déjà vaincu des armées 2 fois plus nombreuses que nous. Même 4 fois plus nombreuses. Mais 10 000 hommes, jamais nous ne pourrons les vaincre. Ils se diviseront et viendront de toutes parts. Qu'en pensez-vous, messager de Dieu? En Perse, si nous craignions les menaces de l'ennemi, nous creusions des tranchées tout autour de nous. Thank you.
On n'a jamais fait une chose pareille dans toute l'Arabie. Il vaut mieux attendre. Trouvez le passage le plus étroit et guidez-y vos hommes. Maintenant! Essayez encore. Mais... Essayez d'entrer par un endroit et boucher la fosse par un autre. Nous avons essayé 30 jours durant. Les hommes sont découragés. Parle-leur alors. Tu es un bon orateur. Insuffle-leur du courage. Galvanise-les. Ça ne servira à rien. Ils pensent que Dieu est avec les musulmans. Très bien. Préparez-vous à une dernière grande attaque générale. À l'aube, de toutes parts. Et nous les écraserons tous. Dieu aidant. Seul un nombre réduit de soldats traversera les tranchées, et nous les repousserons avant qu'ils n'entrent dans la ville. Mais s'ils entrent dans les rues... Nous jetterons ça par les fenêtres. Oui. Roja, j'ai très peur. N'aie pas crainte. Si nous mourons, nous irons ensemble au paradis. Barricade la porte derrière nous. Maintenant, il est temps de prouver que nous sommes les plus forts. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se mit lui aussi à prier. Dieu, toi qui nous as révélé le Coran, ô juge. Quelle que soit la force qui protège Mohammed, détruisez-la. Disperse nos ennemis. Et prouvez à ces musulmans une bonne fois pour toutes que vous êtes invincibles. Disperse-les et qu'ils tremblent de frayeur.